attention, on monte d'un cran. 70. Qui des 200 participants 57. Touchera le prochain lot. Peut-être Evelyne. Il ne lui manque plus qu'un seul numéro. Il vous manque lequel, là? 90. S'il sort... 24. J'ai chaud, moi. Elle gagnera 200 euros en bon d'achat. Raté pour cette fois. Depuis la flambée des prix, tous les vendredis soirs, le loto de Carcani fait salle comble. Pour être sûr d'avoir une place, certains réservent même d'une semaine à l'autre. À l'intérieur, tous les âges. C'est bon, c'est gagné. La raison de cet engouement, des lots plus attractifs. Fini les appareils à raclette ou encore les sèche-cheveux. Et le 90, c'est bon, c'est gagné. Remplacé par des bons d'achat à dépenser dans un hypermarché. 400. Ce soir-là, 2500 euros sont mis en jeu. En fait, avec les bons d'achat, on achète ce que l'on veut. Donc en plus, à l'approche des fêtes de Noël, c'est encore mieux. Quand on gagne les 600 euros, ça fait du bien hein, quand même. Hein. Ça fait les courses pour 3-4 mois. Qu'importe si le lot gagné ne rembourse pas toujours l'inscription. 20 euros, les 10 cartons. Un budget conséquent pour ceux qui, comme Marie-Thérèse, jouent chaque semaine. 15 ans qu'avec ses amis, elle ne rate aucun loto. Quoi, t'as bien gagné 70 euros quand même. Et elle aussi ne jure plus que par les bons d'achat. Il faut dire que ses placards sont déjà remplis de gains, plus ou moins utiles. C'est un balnéo pour les pieds qui sert quand même. Oui. Et ça, c'est pour faire des beignets, des donuts et tout ça, que je ne me sers jamais. La notice, toujours à l'intérieur, il ne servira jamais. Sort réservé à beaucoup de lots. Si un sèche-cheveux, un fer à friser. On a vu un monsieur chauve en gagner un fer à friser, donc ça nous fait sourire. Avec les bons d'achat, ce problème n'existe pas. Qui plus est quand il s'agit du gros lot. Marie-Thérèse l'a justement gagné il y a maintenant un an. Elle s'en souvient comme si c'était hier. Je dis, c'est pas possible. Et arrivé là, j'ai recompté les cartes au moins deux fois. Parce que je me dis, c'est pas possible. 500 euros, c'est... Ah bah c'est mais ça, c'est énorme. Mais c'est énorme, dites, vous vous rendez compte. Oui, des cartes cadeaux qui auront financé ses courses alimentaires pendant des mois.